Bonjour David Savary. Bonjour Fabrice, bonjour à toutes et à tous. Comment ça va? Ça va, ma foi ça va, c'est une belle journée, une belle étape qui s'annonce. Effectivement, je viens de découvrir les images du virage Bardé, c'est impressionnant. Ouais, là t'as les boules, hein, parce que t'étais sur les routes du Tour il y a deux jours, il y a eu moins de monde. Hein. Oui, il y avait un peu moins de monde, mais il y en avait quand même. Hein. Pour tout dire, j'étais sur l'étape qui partait de Troyes et donc qui arrivait à Troyes. Mais il n'y avait effectivement peut-être pas autant qu'aujourd'hui. Et n'empêche, tu as fait 200 km de balade alors que tu sais que tu étais dans la même ville d'arrivée et de départ. Aïe. C'est du tourisme pur, ça, hein, quand même. Oui, c'est du tourisme pur, mais c'était d'autant plus attrayant qu'on avait une vue incroyable sur les vignobles du Champenois. Hein, donc toutes ces vignes étagées là, à perte de vue qu'on aperçoit, c'est absolument magnifique. Et puis on a traversé des petits villages sympathiques qu'on ne connaissait pas, à l'image de Doche, où là il y avait une ambiance et un accueil très particulier. Non, c'était on n'arrête pas de découvrir des endroits, de magnifiques endroits en France en fait. C'est mes terres, hein, Doche et tout ça, c'est des copains qui habitent là. Moi je suis gamin, j'habitais pas très loin. C'est mes terres de mobilette, comme dirait l'autre. Comment t'as fait avec tes bagages? T'es parti léger ou comment t'as géré? T'as pas eu besoin d'agence toi? Ah non, j'ai pas eu besoin d'agence, mais je rebondis un petit peu sur le propos de mon collègue Laurent Guéna hier, qui parlait du service de transfert de bagages. Il se trouve que ce service, je l'ai expérimenté, alors non pas à Troyes ou sur Troyes, mais sur la Via Rhôna. La Via Rhôna, c'est un itinéraire qui part donc du Léman vers la Méditerranée. Moi, j'étais sur le tronçon entre Valence en Isère, entre Vienne en Isère et Valence dans la Drôme. Et il faut reconnaître, c'est extrêmement pratique, c'est-à-dire qu'on ne s'occupe de rien, on n'a même pas besoin de venir avec son vélo, on vous prête un vélo, on vous le loue, les bagages, on s'en occupe, et quand vous arrivez le soir, eh ben, vos bagages sont directement dans votre chambre d'hôtel. Donc c'est extrêmement, extrêmement pratique, et surtout, c'est pas onéreux. En fait, puisque je peux rappeler quand même les tarifs, hein, un transfert de bagages, là, c'est 38 euros par bagage et par étape. La location d'un vélo, c'est à partir de 28 euros, 45 euros si on a un VAE. Mmh. Donc, et ils peuvent aussi, évidemment, garder et stocker le vélo. Et si on a besoin d'être rapatrié vers une gare, c'est un service. Pour le coup, le service s'appelle Click and Cycle. Et il s'occupe de tout ça. C'est un service qui est en train d'essaimer un peu partout en France. Et franchement, c'est extrêmement, extrêmement pratique. Hein. C'est la simplicité et la liberté, finalement, sans la contrainte des bagages, du vélo. Donc, c'est super pratique. Et sinon, comment on faisait avant? On prend moins d'affaires et on met les bagages derrière et autres. Là, l'intérêt, c'est qu'on peut emporter, entre guillemets, plus de bagages. On peut emporter autant de bagages qu'on veut. Si on veut avoir une très très grosse valise, c'est possible. Et ce sera effectivement plus facile que d'être en mode bikepacking avec toutes ces grosses sacoches qu'on transporte le vélo, qui peuvent être un peu lourdes, qui peuvent prendre l'eau aussi, hein, parce que moi quand j'ai roulé, j'ai pris des sauts de pluie. Donc là, on a aussi l'assurance qu'on sera bien au sec. En fait. La Via Rhôna, toi qui l'as expérimenté, c'est quoi le côté le plus sympa? Il y en a un plus sympa qu'un autre sur la Via Rhôna? Le côté le plus sympa, c'est ce qu'on appelle le tronçon médian. Donc c'est celui en gros qui part de Lyon et qui arrive à Avignon. Parce que c'est là qu'il y a la plus grande diversité de paysages. Hein. Il y a des forêts, il y a évidemment tout le territoire lié au monde viticole. Donc c'est extrêmement sympa. Et puis c'est l'avantage d'être très plat. Donc c'est pas difficile, c'est accessible, c'est vraiment accessible à tout le monde. Quoi. Alors je rappelle que toutes ces infos, on peut les retrouver sur Sport et Tourisme, le site internet, hein, sport-et-tourisme.fr. On va pas y découvrir que la Via Rhôna, vous parlez beaucoup de choses sur Sport et Tourisme. Absolument, d'autant qu'aujourd'hui on arrive en Occitanie, il faut savoir qu'il y a 5 étapes qui vont se dérouler dans cette région, qui est la 3e plus grande région de France. Alors la première c'est l'Aquitaine, la Nouvelle-Aquitaine, et la deuxième c'est la Guyane, c'est un peu plus surprenant. Ah oui, puis surtout c'est beaucoup plus loin quoi. Ah c'est beaucoup beaucoup plus loin en effet quoi. Donc l'Occitanie en fait c'est la fusion des anciennes régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées.
Il y a 13 départements, alors je ne vais pas tous vous les énumérer, hein, sauf si vous le souhaitez. Hein, non, non, parce que sinon après on va être obligé de les faire tout. Regardez, d'ailleurs, non. Mais la région, du coup, d'accord. Là, c'est, on se fait 6 étapes, c'est ça, 5 ou 6 5 étapes. 5 étapes, parce qu'aujourd'hui, il y a 4 départements aujourd'hui, il y a, que je dise pas de bêtises, on a la Creuse, le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Corrèze, 1, 2, 3 et 4, ouais, je ne me trompe pas. Donc ça, ouais. C'est, on rentre dans cette région qui est à la fois tourisme et très, très marquée vélo, hein. Absolument. D'ailleurs, il y a 9 sites dans cette région qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'Occitanie, c'est aussi 44 stations de montagne, 28 établissements thermaux. C'est d'ailleurs la première région thermale de France. Et en fait, pour découvrir tout ce patrimoine, on pourra en citer quelques exemples, mais le plus simple, c'est d'utiliser un pass illimité Occitanie Ride Tour, donc l'ORT, c'est à partir de 20 euros pour 2 jours. Et là, on peut aller à sa guise, où on veut, en train, découvrir les sites de son choix. Et comment on retrouve les infos, les trouves sur Sport et Tourisme ? Absolument, on les retrouve sur sportettourisme.fr. Est-ce que vous voulez que je vous mette en appétit en vous parlant de quelques petites choses à faire en région Occitanie? Tu sais, quand tu me dis appétit, je pense plutôt à autre chose, moi. Je pense de gastronomie, repas, quoi. Tu sais, moi, avec ce mot appétit, moi, nous, on démarre à 13h, on a à peine grignoté avant de démarrer. Si tu commences à me parler d'appétit, non, je suis plus sérieux. Ouais. Alors, dis-moi, ton top 4. Ouais, pour pas faire top 3, top 5, nous fait un top 4. Allez, ouais, un top 4, le pont du Gard, donc près de Nîmes, hein, pont du Gard construit à l'époque romaine. Ça on peut le faire, on peut le faire, le pont du Gard, on peut le faire, la balade peut se faire à pied, à vélo dans le coin? Alors les deux, on peut y accéder en vélo, le faire effectivement sur deux roues, mais aussi ça donne lieu à de superbes randonnées. Alors je connais, si jamais tu cherches à te loger à 200 mètres du pont de Gard, j'ai une adresse, hein, j'ai des amis qui tiennent un gîte, je t'enverrai l'adresse si tu veux te balader un jour par là-bas, c'est une très bonne adresse, c'est un truc très sympa, c'est le mat papa ou un truc comme ça, faut que je retrouve le nom exact, mais non, je te l'enverrai en off. Après on a donc nous attaque sur le top 2. Alors, le viaduc de Millau. Ah oui, mais alors le viaduc de Millau, c'est une sacrée balade, parce que entre le haut et le bas, il faut avoir des cannes. Hein. Ah, il faut avoir des cannes. Et d'ailleurs, j'en profite pour annoncer, il y a quand même une célèbre course de trail qui se déroule là-bas et qui aura lieu le 22 septembre prochain. C'est la course FH du viaduc de Millau. Donc, ils font quoi, ils font que traverser, c'est quoi le parcours, on part d'en bas, on traverse, on revient, c'est une boucle, tu le sais ça, le parcours? Oui, c'est une boucle, effectivement, on traverse le viaduc, mais c'est, alors il y a différentes distances, hein, il y a une distance courte qui permet quasiment que d'aller sur le viaduc, mais il y a une distance longue de 55 km. Où là, c'est une grande boucle, hein, qui permet d'aller beaucoup plus loin, effectivement. Alors après, top 3 ? Les arènes de Nîmes. Ah, t'aimes bien ce coin, toi, du côté de Nîmes, hein, quand même. Hein. T'as une préférence, bien, hein, quand même. Hein. Ouais, les arènes de Nîmes. Alors, tu lui conseilles de le faire à quel moment dans la journée ? Alors, en été, sur le coup de midi, peut-être pas, parce qu'il fait extrêmement chaud. Donc plutôt tôt le matin et ou tard en soirée, il y aura moins de monde. Et si on peut éviter effectivement la saison estivale, c'est préférable parce qu'il y a énormément de monde. Mais ces arènes, c'est très photogénique. Et puis il faut savoir que ce sont les mieux conservés finalement de tous les amphithéâtres romains. Quoi. Et ces arènes peuvent accueillir jusqu'à 24 000 spectateurs, parce qu'il y a des spectacles aussi qui se déroulent dans les arènes. Pas que de la tauromachie, hein, il y a des concerts aussi, donc c'est très sympa. Ouais, mais moi, si j'y vais, on sera 2 ou 3, hein, pas besoin de 24 000 places. Hein, ou alors même avec les copains, on a 5, 6, mais pas plus, tu vois. Non, quand même. Ton top 4, alors dis-moi tout. Allez, on va aller à la cité de Carcassonne, dans l'Aude. Ah, la cité de Carcassonne. Moi, à chaque fois qu'on me dit Carcassonne, ça me fait penser à un film. Ouais, j'ai des images de cinéma avec Louis de Funès dans la cité, des choses. Alors, Carcassonne, il faut faire quoi, l'intramuros? L'intramuros, c'est essentiellement, parce que Carcassonne, évidemment, c'est une cathédrale, c'est un château et c'est ses remparts.
Donc c'est une ville fortifiée qui se fait très bien à pied. En vélo, c'est un peu plus difficile parce que les rues sont très étroites et surtout il y a beaucoup de dénivelé. Mais là encore, c'est l'occasion de remonter l'histoire et de faire de superbes photos. C'est magnifique. Hein. Bon, alors, et là, sur ce top 4, il y en a un que tu préfères, toi ? Question piège. Hein. Ah bah, le viaduc de Millau, j'avoue que c'est quand même quelque chose. Cette construction faite par Eiffage est vraiment impressionnante. Hein. Tu la trouves plus jolie par en bas, par le côté quand on vient du côté Paris ou quand on vient dans l'autre sens. Quelle est la vue que tu préfères, toi? Alors celle que j'ai éprouvée, expérimentée, c'est effectivement en venant depuis Paris. Donc c'est une vue qui est quand même assez saisissante, hein, et qui est incroyable, quoi, cette construction très avant-gardiste. Il y a un côté futuriste, des lignes pures, extrêmement bien dessinées, et on se dit que tout ça c'est le fruit de l'homme, quoi, donc c'est incroyable, c'est fascinant en fait, vraiment. Bon bah écoute, cette année on n'y passe pas. Non, je crois pas. Hein. Non, mais ça n'empêche pas que. Ouais, non, je pense aux coureurs, aux images. Cette année, on verra pas les images parce qu'on l'a fait, hein, la traversée du pont de Millau. La flamme olympique, ouais. Il me semble qu'elle a traversé. Oui, elle a traversé en patin roulette, oui. Ou un truc dans le genre, le pont de Millau. Mais c'est un truc magnifique à voir. Merci, David. Tu voulais finir sur un petit mot? Oui, donner l'adresse d'un site internet qui recense toutes ces curiosités et toutes ces merveilles. tourismeoccitanie.com. Ouais, alors c'est comme ça, le plus simple, vous retrouvez toutes les infos sur sportettourisme.fr. Oui. Comme ça, toi, tu mets un beau papier et t'expliques tout, parce qu'en fait, sinon, si je dois prendre des notes comme ça, j'y arrive pas, moi. Sport et tourisme, c'est beaucoup, et tu vois, c'est plus facile. Tu vois, tourisme, sportettourisme.fr. C'est comme la pub à la télé. Voilà. View TV. Tourisme et sport. sportettourisme.fr. C'est beaucoup plus facile. Et comme ça, au moins, les gens, ils vont au bon endroit. Si tu les envoies ailleurs, ils reviendront jamais, David. Non, c'est, on va vous, d'ailleurs, tu penses qu'il faut que vous fassiez ça avec Laurent. Vous préparez un petit article spécial, rendez-vous tourisme sur Radio Sport, et vous mettez toutes les infos comme ça des lieux que vous voulez qu'on aille voir pendant le Tour de France. C'est une petite idée que je passe. Comme ça. Comme ça, au moins, on vous envoie sur Sport et Tourisme. Vous allez sur la page avec toutes les bonnes idées, le roadbook Radio Sport. Tiens, on va l'appeler comme ça, carré. Et on fait ça en live, messieurs. On va l'appeler Roadbook Radio Sport. Et comme ça, tu fais toutes les bonnes idées que tu as eues, que vous avez sur le. Alors, hier, on était dans la vallée de la Loire. Je ne me rappelle plus où on était il y a 3-4 jours. Là, on est en Occitanie. Vous nous groupez le tout. Comme ça, nous, on sait. Toutes les bonnes infos tourisme, elles seront sur la page avec le Roadbook Radio Sport sur sportettourisme.fr. Ça, c'est efficace. Tu vois ce que je veux dire? Absolument, Fabrice. Faut bien qu'on rigole. Mais en tout cas, merci beaucoup, David. Ouais. Demain, c'est qui? C'est toi ou c'est Laurent? Demain, c'est moi. Demain, on part d'Aurillac, hein, si je ne me trompe pas. Et on va venir sur l'autre. Demain, on part d'Aurillac? Voyons voir. Demain. Aurillac, Villeneuve sur l'autre. C'est ça, demain, on part d'Aurillac. Tout à fait. Je suis en train de réaliser que tu as dit une bêtise quelque part, moi. Faut que je vérifie un truc. Je croyais que c'était. Ouais, non, mais t'as raison, c'est ça. Pas d'Aurillac. Alors, demain, alors. Voilà, demain. On fait comme demain, ça. Demain, avec plaisir. Bah ouais, il y a intérêt. S'il n'y a pas de plaisir, il n'y a plus rien. On est à la bourre. Et toi, on parle trop. Toi, regarde ce qu'on est en train de faire, David. Ouais. Toi, tu me fais mettre à la bourre. Je vais me faire taper sur les doigts. Merci, David. À demain. Merci. Il est 14h32. Oh là là, on n'est pas à l'heure.